Bonjour cher ami. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Vous étiez en train de bien raconter de la merde avant cette vidéo. J'imaginais faire des trucs atroces. Des fois j'ai un petit démon en moi. Il me raconte des trucs. Mais d'ailleurs il y a des gens qui ont fait des trucs atroces ici, qui ont explosé cette maison. Ouais, alors qu'elle était si belle. Bah oui. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui c'était de vous faire un urbex dans la belle maison qu'on a achetée avant qu'on la démolisse. Ils l'ont commencé de la curer. C'est ça. Ils ont tout gâché. Ça sera vachement moins drôle. Mais écoute, si tu veux nous faire un tour du propriétaire, si, quand même, allez, Benjamin. Non, mais si, on va quand même voir un petit peu le... Donc, vous l'aurez compris. C'était une des portes d'entrée. Il y a deux portes d'entrée. Pourquoi, je ne sais pas, mais il y a deux portes d'entrée. Vous l'aurez compris, on est sur le chantier de nos futurs bureaux. Oui, on n'a pas dit. Et oui, la démol a lieu à partir de lundi. Donc, ils ont commencé de la curer. Alors, exact. Faites-nous faire un tour du propriétaire. Alors, c'est parti. Donc, ici, il y a un hall ici, il y en a un autre là. Bon, c'est plus un hall parce qu'ils ont cassé les cloisons. Oui. Et deux halls côte à côte. Deux halls côte à côte. En fait, c'est marrant parce qu'elle est faite comme une double maison. Il y a deux escaliers pour monter à l'étage. Ok. Donc, tu penses qu'il y avait deux familles? Je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, il y a un gros mur ici et ça fait comme deux maisons. Et donc, ici, on a toute une partie rez-de-chaussée avec des pièces de vie et c'est bien fatigué. On va vous montrer. Et puis après, il y a au-dessus les chambres sataniques. Ouais, c'est ça. Surtout qu'on risque notre vie parce que la maison avait un arrêté de péril, justement. Ouais, ouais. On vous racontera un peu quand on ira visiter la grange. Un des éléments derrière du arrêté de péril. Par exemple. Alors, toi, je peux presque faire coucou à travers. Ben, je te vois pas, mais on n'est pas loin, quand même. Non, ouais, mais elle en a un peu de partout. Elle a des fonds d'art un peu de partout et... Elle avait bien bougé avec les sécheresses de 2018, ouais. Donc c'est vrai qu'elle était bien, bien fendue. Là, ils sont venus, ils ont curé les menuiseries. On se rend un petit peu compte de ce que ça donne, mais il y a des fendards pas mal là-bas de l'autre côté qui, eux, sont traversants. Ah bah, voir. Tout ce qu'on voit ici, là, tout ça, c'est tout traversant. Ouais. Donc vraiment, on les voit sur la façade. Typiquement, on voit les fenêtres, c'est vraiment fissuré de part en part. Ouais, parce qu'en fait, c'est des maisons qui avaient très peu de fondations. Ouais, elles avaient des fondations en pierre et le dessus est en pisé. Et il suffit qu'il y ait une trop grosse sécheresse. Ici, pour le coup, on a un peu d'argile. Donc, s'il y a un trop gros retrait des argiles dans une sécheresse, même ces maisons-là qui ont une certaine souplesse par rapport aux maisons neuves, bah, elles finissent par fondre, en fait. Et d'ailleurs, on peut en parler maintenant parce que cette maison, c'est un marchand de biens qui l'avait signé la première fois. Oui. Et c'est en zone artisanale et il voulait faire un peu habiter, rénover la maison. Et faire ses bureaux, ou c'était l'inverse, faire ses bureaux ici et rénover la grange. Parce que pour le coup, c'était fissuré, mais il voulait quand même faire des bureaux dedans et habiter la grange. Ça demandait quand même pas mal de travaux. Et surtout, d'un point de vue autorisation, il fallait d'abord que l'activité soit domiciliée sur le lieu avant de pouvoir y mettre un logement. Ouais. Et en fait, apparemment, ça ne correspondait plus à son projet. Et du coup, en fait, à l'origine, il devait même nous vendre un bout de terrain, finalement. C'était un peu ce qu'on... À l'époque, quand on était au Maroc, on en avait parlé et commencé d'aborder le sujet et tout. À la base, on venait pour une parcelle, en fait, un morceau de terrain. C'est ça. Un morceau de... Et en fait, comme il n'a pas eu son permis, il n'y a rien qui a marché. Il nous a appelé, on a récupéré tout le projet. Ouais. Et on vous montrera, tout à l'heure, on avait l'idée de tomber la maison parce que justement, elle avait l'arrêté de péril. Et on avait le projet de faire nos bureaux dans la grange. Ouais, et puis on l'a eu plusieurs fois, on l'a vu de différentes manières. Il y a eu tellement de péripéties qu'on s'est ouvert, pour le coup, toutes les possibilités à ce projet, quoi. Alors, montrez-nous ce petit urbex. Ah oui, là, le fond d'art, il est sympa, là. Ah, il est pas mal, hein. J'espère qu'on va pas gagner la maison sur la tête. Là, on en a qui sont sympas aussi. Ils ont été rebouchés, d'ailleurs, je pense. Ah oui. Oui, j'allais dire, ce qui était le plus fou dans cette maison... Oh putain. C'est qu'il y avait encore des gens il y a 10 ans. On pourra pas aller au grenier. Ah non. Ils ont enlevé l'escalier. Bon, de toute façon, il n'y avait plus grand chose à voir. Ouais, on disait qu'il y avait encore des gens qui habitaient ici il y a une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Ça, c'est toujours fou. Mais ça, même dans l'immeuble qu'on est en train de regarder et qu'on va signer normalement début octobre, oui, parce que... Ah oui, on peut en parler. On peut en parler. Allez, faisons un petit tour. À l'origine, on devait faire un vlog marchand de biens sur du bâti. Tout à fait. Mais on en parlera. Oui, restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, parce que à la fin, vous verrez ma tronche et tout. Mais on va vous parler du futur mastermind marchand de biens. Tout à fait. Mais on devait filmer stopper, mais voilà, on n'a pas signé encore chez le notaire, donc on n'est pas encore sous compromis. Voilà. Donc du coup, on vous montre un autre de nos biens. Parce qu'on est propriétaire quand même, là, ici, de cette ruine. Donc voilà, mais ouais, ok. Et en fait, ouais, du coup...
Je crois que je peux bouger encore ou pas? Oh, c'est bon. Ça va. Une mine antipersonnelle. Je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, ça m'a coupé. Mais en fait, non, c'était Oui, voilà. C'est quand on visite des biens anciens, on se demande toujours comment. On nous dit, il y a des gens qui sont partis à 3 ans. On se dit, mais c'est pas possible viennent dans un truc comme ça. Et ça arrive plein de fois où on trouve des biens dans un état pas possible. Et l'autre OP de marchand qu'on a signé. Pareil, elle est, c'est dans un état aussi. Ouais, clairement. Bah là, regarde, si tu regardes les fondards, c'est des fondards qui sont traversants. Il y en a dans tous les angles et tout. C'est une maison qui a vraiment beaucoup bougé. Scier le plancher, je sais pas pourquoi ils ont fait ce trou au plancher. Je sais pas. Je pense qu'ils veulent curer pour trier et tout, mais à un moment donné, je pense qu'ils ont pas réussi à. Parce que je pense que c'est plus simple quand ils démolissent pour trier. Donc ils enlèvent tout ce qui est bois, parce que pour le coup, ça va pas dans les mêmes centres de déchets. Et donc ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent à la main. C'est ce qu'ils ont fait avec les menuiseries. Ouais. Et par contre, après, à un moment donné, il faut faire avec une pelle. Et là, je pense qu'ils ont essayé pour voir, mais le plancher il devait être bien fixé pour le coup. Bon, on va aller voir le deuxième morceau et on verra pourquoi on n'a pas fait nos bureaux dans cette maison. Donc là, c'est la deuxième partie. Alors avant, il y avait une pièce. Ils l'ont cassée, je pense, pour sortir ça. Ah oui, d'accord. Il y avait encore un fond. Ils ont sorti la cuve à fioul. On voit, ils l'ont ouverte, ils l'ont curée. Ouais. Et puis, elle était stockée. Oui, elle était stockée là-bas, je crois, devant cette ancienne cheminée. Quoi. Voilà. Ouais, remarque. Et ici, ça faisait une pièce. Au fond, on a encore les cloisons. On a encore les plafonds. On a encore la forme de ce qu'ils ont cassé. Je pense qu'ils en avaient besoin pour la sortir et pour la tirer. Et là, quand tu dis qu'il y avait des gens qui étaient là il y a une dizaine d'années, c'est chaud. Donc il y a aussi une cuve dehors et il y a cette cuve qui était en intérieur. Mais c'est fou parce que ça sentait le fioul en plus. Donc, ah ouais. Vivre dans. T'as la cuve à fioul dans la maison, quoi. C'est assez fou, quoi. On va voir là-haut. Allez, c'est parti. Tu regardes le piset, bien apparent. Ouais. Bon après, comme tant qu'il est comme ça, c'est pas si pire, mais. Ouais, on va pas trop s'éterniser quand même. Non. Là, ils ont enlevé quelques bouts de bois. Allez, c'est parti. Et puis ils ont retiré toutes les fenêtres. Tu vois, ils ont coupé tous les conduits de chauffage aussi. Regarde, la petite tapisserie des familles. Et ouais, elle est collector celle-ci. Hein. Est-ce que tu aurais passé une nuit dans cette baraque avant qu'on la démolisse tout seul? Pour combien d'euros tu passes une nuit tout seul? En mode bivouac? Ouais. Ah si, quand même, avec un petit compteur là, pour voir s'il y a des fantômes. Ah oui. Ils se sont fait plaisir sur les lavabos, je pense. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont envoyé les deux plus bourrins avec une masse, et ils leur ont dit allez, amusez-vous. Là, il y a des traces de brûlés partout. Ouais. Là, c'était une cuisine. Ça, c'est le conduit de cheminée qui devait arriver. Ouais. Puis devait respirer, mon gars, de la. Ah oui, un bon air. Ok, la tapisserie qui donne mal à la tête. Voilà. Et celle-ci. Celle-ci, elle est pas mal aussi. Et donc, ils ont démonté tout ce qui était bois, donc voilà. Donc voilà, bye bye maison. Bye bye maison, fin de vie pour elle. On va aller voir cette grange. Donc ça, c'était la partie maison qu'on a vue. C'est ça. Donc on avait il fallait qu'on dépose un branchement élec. Ouais. Le branchement qui court en façade. Donc ça, c'est chose faite. Et maintenant, ils vont pouvoir qui est là-bas. Attaquer le gros de la démolition. Ouais, parce que sur ce genre de démolition, il faut absolument que ce soit Enedis qui débranche la maison. Enfin, ce qui paraît logique aussi. Oui, voilà. Mais en tout cas, le câble qui vient du poteau jusqu'à la maison, surtout quand elles sont accrochées en façade, il appartient à Enedis. Ouais. Donc il faut faire une demande de dépose. Oui, parce qu'il y avait quand même un Linky dans la maison. Le truc le plus neuf de la baraque, c'est le Linky, quoi. C'est ça. Ça, ils perdent pas le nord. Donc voilà la grange qu'on pensait à l'origine peut-être garder. En fait, on s'était dit, on aurait vendu la deuxième partie du terrain là-bas et on gardait cette grange. Voilà, et on faisait des ouvertures sur la grange. La toiture était pas si mauvaise. La charpente dedans, ça a du cachet aussi. C'est le cachet de l'ancienne, d'une certaine manière. Ça aurait été un peu moins grand, mais on aurait pu les aménager de manière très sympa. Ça aurait fait un petit peu grand aussi en termes de hauteur sous plafond. Ça aurait été chouette. Et avec des belles ouvertures, on aurait pu faire un truc sympa. En tout cas, on s'était projeté sur cette idée-là. Quoi. Ouais, on s'était dit que ça pourrait être pas mal. Et en fait, finalement, dès qu'on a un peu avancé, on a vu que la grange, elle était aussi bien fondée que la baraque. Quoi. Ben, c'est ça. Alors, même si d'apparence, elle n'a pas énormément de fente ou quoi, mais après, dans le temps, on savait pas comment ça allait évoluer. Mine de rien, c'est vrai que de partir sur du neuf, d'avoir une dalle quartz, d'avoir des choses vraiment qui vont durer, au moins, on est tranquille pendant des années. Et puis, alors après, ça, je ne suis pas thermicien, je ne suis pas, tous ces gens qui font des études... Sur l'énergie, on va dire, et des biens. Ouais, l'isolation des bâtiments. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un bâtiment neuf avec de l'isolation récente et moderne pour nos bureaux. Quoi. Ouais, complètement. On va aller jeter un œil dans cette grange. Ouais. Là, pareil, Ben, ils avaient rajouté des étampes. Oh putain. Ah, mais la poutre, elle est éclatée là-haut. Ouais, c'est ça. Wow. C'est lequel? On tire lequel en premier?
pas capable d'aller mettre un coup de savate là-bas. Sinon, on les accroche à l'arrière de la bagnole. On voulait vraiment le faire. Hein. Ouais. Franchement, ça aurait été génial. Ou alors, je vais chercher une sangle et on le tire, parce qu'on n'est pas trop courageux, et on tire de dehors. Et on voit ce que ça fait. Non, je reste pas dessous, là. Ça peut être rigolo. Ah, laisse tomber. Donc, fais voir cette grange. Ouais, allez, alors, petite grange. On... Alors, tout de suite, tu vas rien voir. Faut que j'enlève un peu... Qu'on si, arrive à ouvrir. Impeccable. Si, c'est vrai. Si, si, ça va. Oh, cool. Ah oui, super a... iPhone. Il manque la tuile là-haut, donc ça fait de la lumière. Ouais, ça fait un peu de ouais, lumière. C'est pour ça, mais on tient à dire que quand même, au début, on s'était pas projeté avec cette toiture, il y avait des tuiles. La charpente était vraiment bien. Ouais, franchement, la charpente était bien. Il y avait quand même un grand volume. On a quand même une belle hauteur et on s'est imaginé voilà, faire une ouverture sur un côté pour vraiment faire rentrer de la lumière. Et puis, voilà, après, on refait un dallage, on refaisait tout. Ouais. L'idée, c'était toujours la même idée un peu de nos bureaux avec des voitures au rez-de-chaussée, des bureaux en mezzanine. Des bureaux en haut. Là, on s'était imaginé de faire les bureaux, par exemple, ici sur le haut et d'avoir une cuisine un petit peu encaissée ouais. sur le fond avec, du coup, bah, les voitures un petit peu avant. Voilà, Babi, tout ça. Sur cette partie-là et d'avoir vraiment de la profondeur. Ouais. Bah, c'est finalement ça, c'est le même projet sur du neuf avec une orientation un peu différente. Ouais, mais... complètement. Parce qu'en surface, on est un peu plus petit ici, je crois qu'on a 160 ouais, au sol. C'est ça, 160, ouais. C'est ce que j'avais gardé en tête. Et nous, on aura 200, donc on aura un peu plus grand aussi. Ouais. Et puis après, ouais, il y a toutes les problématiques. La grange n'est pas très fissurée, malgré tout. Non, elle a plutôt bien tenu. Après, voilà, on ne sait jamais comment ça va être à l'avenir. Même si on voit bien, elle a été plutôt bien fondée en ouais, pierre sur la. Ces bâtiments, ils faisaient un petit soubassement en pierre et ensuite ils érigeaient tout en pisé. Voilà, c'est ça. Le pisé, c'est vraiment comme un sucre. En fait, dès qu'il y a de l'eau, ça la boit. Donc, ils le surélevaient. Et si c'est bien couvert en haut, d'ailleurs, ils finissaient d'ailleurs avec de la pierre pour justement garder le pisé à l'abri de l'eau. Quoi. Mais bon, après, voilà, c'est vrai qu'on ne savait pas comment ça allait évoluer. Ça reste un bien ancien qui évolue dans le temps. Et là, aujourd'hui, on sera assez serein, on va dire, à ce sujet-là. Donc, on vous filmera tout ça parce que bah, c'est la dernière fois où vous voyez la maison et la grange. Ce sera tout abattu lundi. Voilà. Et ensuite, la construction du bâtiment va commencer. Ça aussi, ce sera un chantier qui sera intéressant quand même, qu'on vous fera bien sûr, suivre on aussi. Partager. Même si ce n'est pas du marchand de biens à proprement parler, c'est de la promotion, mais c'est ouais, hyper c'est intéressant. C'est de la promotion sur du bâtiment artisanal et c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, que ce soit sur du locatif ou même parfois sur de la vente aussi. Ouais, ça fait partie en tout cas des choses qu'on fait, qu'on sait faire maintenant. Exactement. Et ben, je te propose qu'on se retrouve dehors pour faire cette Allez. Petite annonce. Donc l'annonce qu'on voulait vous faire à la fin de cette vidéo, c'est vous dire qu'on va transformer le mastermind division foncière qu'on avait. C'est ça. Qui s'appelait Esprit Foncier. Voilà. Donc on n'avait pas beaucoup de sujets, on va dire, où on abordait vraiment sur le bâti, même si c'est des choses qu'on fait à côté. Et on a beaucoup plus privilégié le foncier parce que c'était aussi notre zone ouais. de confort d'une certaine manière. Exactement. Et là, on a, depuis quelques temps, là, on visite beaucoup, beaucoup de bâtis, d'ensembles immobiliers, de choses à diviser, dont un qu'on va normalement signer début octobre. Ouais. Un autre qui est encore dans les tuyaux. On n'a pas encore de réponse. Donc on voulait vraiment l'orienter beaucoup plus là-dessus. Bah ouais, parce que avec le temps, on se retrouve à faire de plus en plus d'opérations où il y a du bâti comme ici par exemple qu'on démolit, mais du bâti aussi à diviser. Exactement. Et d'ailleurs, sur Esprit Foncier, le mastermind de l'année dernière, on ouvrait déjà là-dessus, on a montré on en parlait, bien sûr, ouais. une OP qu'on avait fait, mais voilà, on ouvrait dessus et aujourd'hui on se dit que ça représente 50-50 nous quasiment aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement, c'est le volume. Ouais, 50-50 c'est du foncier, 50-50 c'est de la division de bâtiments. Et l'idée, bah, c'est que le mastermind va s'appeler maintenant Esprit Marchand de Biens. Exactement. La prochaine session, elle aura lieu les 26 et 27 juin l'année prochaine, 2025. On fait plus qu'une seule session par an aujourd'hui. Et la grosse annonce, normalement, ouais. c'est on va, que... On va tout faire pour, en tout on cas. On va tout faire pour. C'est qu'on sera ici. Alors ici, pas dans la baraque du Moli, parce qu'en plus, on rentre quand même. Ouais. Ce sera plus chez nous. Mais on sera dans nos bureaux. On sera normalement dans nos bureaux. On va tout faire pour. On est en train d'essayer de vraiment caler tous les paniers pour vous recevoir dans nos tout nouveaux bureaux. Donc ça sera vraiment chouette de pouvoir vous montrer ça. Et là, c'est trop bien, c'est fini les locations de salles, ça ouais. sera au sein de nos bureaux. Donc vraiment, voilà. Dans notre univers. Exactement, et ça, on sera vraiment trop fiers. Et le but, c'est de vous partager, garder tout le contenu Division Foncière pour ceux qui venaient pour ça. Celui-là, on n'enlève rien. Et c'est de rajouter le contenu plus marchand bien qu'on faisait nous, mais qu'on montrait pas forcément parce qu'on s'était vraiment cantonné sur le web à montrer la division foncière. Si ça vous intéresse, le lien pour réserver, il est dans la description. Avec le séminaire physique, il y a aussi des formations. Exact. Donc, il y a division foncière expert. Voilà. Il y a vision 360. Et finance business expert. Tout à fait. Donc, rien qu'en prix de formation, il y a déjà quasiment le prix du séminaire. Ouais, en vrai. Tout à fait. Donc, vous verrez, on s'est dit qu'on allait prendre entre
15 et 20 personnes, l'idée, c'est ouais, ça. C'était à peu près ça, histoire qu'il y ait vraiment matière aussi à discuter, à partager aussi l'expérience de chacun. Ouais. Parce que parfois, on se rend compte qu'il y a des questions qu'on n'a pas sur certains événements, et donc on perd de l'information pour certains participants. Alors qu'il y en a qui ont fait certaines choses, qui ont fait aussi parfois certaines erreurs, et c'est ça qui est chouette aussi dans ces événements, c'est qu'on peut débunker un peu certaines erreurs qui ont pu être faites, et on essaye de retirer un nouveau plan d'action et quelque chose pour que ça se passe bien derrière. Donc voilà, en tout cas, on sera très contents. On va tout faire pour que ça ait lieu dans nos bureaux. Il y aura une seule session sur l'année et elle sera vraiment orientée marchand de biens au sens large. Et je crois qu'ils savent tout. Voilà. Bon, merci mon poulet pour cette petite vidéo. Bah ouais, c'était trop cool. On va s'en aller avant que enfin, vous en... Dernière vidéo de cette maison avant de lui rendre... Ou qu'elle nous tombe sur la tête. On va faire gaffe, clairement. Bon, merci à tous. Salut à tous. Ciao.